چیزی که الان برام جذابتر میکنه کارو کشف این مهمه که ما چقدر با هم شبیهیم در این حال که همش اصرار داریم که با اختلاف فرهنگ و اختلاف زبان اختلافات خودمون رو بیشتر تشدید بکنیم، در حالی که من وقتی از پس یه فیلمی مثل همین Like Someone You Love برمیام معناش اینه که ما با ژاپنیا که این همه به نظر ما دور از ما میان چقدر نزدیکیم، چه برسه ما به شما یا ما با ایتالیایی ها و فرانسوی. این خیلی برای من ایده جذابیه که من میتونم فرهنگ با آدم های دیگر ملیت های مختلف یه ارتباط برقرار کنم و یه ارتباط رو به شما هم منتقل. Donc lors de ces dernières années et de ces dernières expériences, ce qui m'a vraiment motivé, ce qui m'a intéressé, c'était de vivre ça, vivre le fait qu'on est très proches finalement les uns des autres dans une période où on a tendance à accentuer les différences et à mettre en avant les différences et les différents, de voir que finalement le Japon qui peut paraître une culture si éloignée de la nôtre est très proche. Moi, en revenant de l'expérience de Like Someone in Love, ce que je retiens, c'est la proximité et la simplicité de leur relation avec des Japonais, sans parler de celle que j'ai pu vivre en Italie ou en France ou en Suisse, et donc de partager avec vous, spectateurs du monde, cette expérience de proximité. اومد به دیدن من و از قیافه من نمیدونم چجوری بود، از سلام را بود بدتر، گفتش که میفهمم که داری چی میکشی. Vers la fin du tournage, Madame Nogami, qui est l'assistante historique de Kurosawa, qui aujourd'hui est une femme de plus de 80 ans, est venue me rendre visite. Et je ne sais pas si j'avais une tête encore plus décomposée que ce soir, mais en me voyant, elle m'a dit je sais ce que tu endures. گفتم از کجا میدونی؟ گفت برای اینکه با آقای کوروساوا که در روسیه فیلمی ساختیم کدوم فیلمش بود الان تو حافظه زمین درس و زولا رو کار میکردیم، تقریبا شبی نبود که آقای کوروساوا گریه نکنه. من گفتم که من هر شب گریه نمی کنم ولی بعضی شبا گمونم اتفاق برای من بیافته. Elle m'a dit, je lui ai dit, mais comment, qu'est-ce que vous en savez? Elle m'a dit que lorsque j'ai accompagné Kurosawa sur le tournage de Dersu Uzala en Russie, je me souviens que tous les soirs, après le tournage, il pleurait. Donc je suppose que tu vis quelque chose de la même nature. Je lui ai dit, moi, peut-être pas tous les soirs, mais je suppose que ça m'arrive aussi, certains soirs. Et elle a dit à l'époque, j'avais dit à Kurosawa, réaliser l'impossible est impossible sans souffrance. Et je crois que c'est devenu, c'est la phrase qu'elle a mis en exergue sur ses mémoires. به نظرم اون مهمه، نتیجه این که ما سخت هم دیگه رو میفهمیم اما وقتی میفهمیم هیچ تفاوتی با هم دیگه. Donc la difficulté et la souffrance sont réelles mais elles sont dans le processus de l'établissement de ce lien. Une fois que le lien est créé et que le résultat fait que ce film est un film japonais, je l'affirme, le lien existe. ما دردامون، خوشیامون همیشه به هم دیگه است. Nos joies, nos souffrances et nos peines sont les mêmes à nous tous. Je pense que quelle que soit notre culture ou notre provenance géographique ou notre langue maternelle, nous souffrons de la même manière quand nous avons une migraine ou quand nous avons mal aux dents. Nous souffrons de la même manière quand nous sommes séparés des êtres que nous aimons. Nous éprouvons la même joie quand nous les retrouvons. Et ça, c'est pour moi, ça pouvait ressembler à une théorie. Et vivre une expérience comme celle-là m'aide au moins à prouver cette théorie, en dehors du fait que ce soit un bon ou un mauvais film. Finalement, ça, c'est accessoire. Rangi kawai kurosawa rwe gyeri minga, rangi suwe tafo home.
البته به تفاهم میرسیم و وقت میبینیم که آقای کوروساوا فیلم رو در سوزولا رو در جای دیگه میسازه ولی هنوز به دل من و شما با یه ملیت دیگه کاملا میشه. Donc je pense que la souffrance qui faisait pleurer Kurosawa tous les soirs était celle du malentendu. Mais une fois que le malentendu est dissipé et que l'on s'entend et que l'on se comprend et qu'il arrive à réaliser un film comme celui-là et que nous, spectateurs du monde entier, arrivons à accéder à ce film et à l'apprécier, quelque chose est surmonté. Est-ce qu'on peut demander une question au public ? Absolument, c'est ce que j'allais vous proposer. Donc à vous maintenant la parole. Je vous rappelle quand même que vous êtes vraiment les premiers, comme l'a dit Marine Kermitz, on en parlait tout à l'heure, les premiers vrais spectateurs du film, parce qu'on sait toujours qu'à Cannes, les spectateurs sont toujours un peu des spectateurs privilégiés, il y a beaucoup de professionnels. Là, vous êtes vraiment les premiers spectateurs de ce nouveau film d'Abbas Kiarostami. Donc vos questions, vos remarques à Abbas Kiarostami sont très importantes. Il y a un micro qui circule, alors lancez-vous, courage. Ici, monsieur, là devant. Ah bah, voilà. Est-ce que vous pouvez fermer, s'il vous plaît ? Ah bah, tout le microphone va laisser, va dire que je m'en prie, moi je vais voir une histoire. Le temps que le micro arrive, je me permets de dire que vous non plus, vous n'êtes pas tout à fait des vrais spectateurs, parce que vous êtes des spectateurs de la Cinémathèque. Alors, en tant que faux spectateur, je me permets de vous demander. Enfin, j'ai remarqué que toute la première partie du film se passe au fond avec beaucoup de reflets. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose entre la réalité et ce qu'on peut en percevoir. Et puis, tout d'un coup, quand le jeune homme, le fiancé, rejoint le faux grand-père, tout d'un coup, il n'y a plus cette espèce de barrière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose à ce propos ? و این توی تصویر هم لحاظ شده و شما بیشتر توجه Mais je pense que la formulation que vous venez de proposer vous-même est parfaite et comprend la réponse à votre question. Effectivement, on peut dire que lorsque l'on s'approche du vrai, de la vérité, tout paraît plus évident et les choses paraissent plus nettes qu'elles ne l'étaient auparavant. Donc votre formulation donne cette réponse-là, me semble-t-il. D'autres questions ? Là-bas, tout au fond. Le Capitole est grand, mais vous êtes nombreux. Désolé pour la patience qu'on vous demande. Merci. Quand j'ai appris qu'il y a resté bien d'appeler un film au Japon, je me suis dit pourquoi pas. Dans le cinéma de Kiarostami, le silence est tout aussi important que le dialogue, peut-être parfois plus important. Et dans le cinéma japonais aussi, parfois le silence prend le rôle principal. Je me suis étonné de voir dans votre film que les dialogues sont très importants. Le film les permet plus de dialogues que de silences. Vous avez dit que la communication est universelle. Est-ce que le silence est universel aussi ? Est-ce qu'un cinéaste étranger peut rendre les silences qui appartiennent à un autre pays, qui appartiennent à notre culture ? خب من شاید این سوال رو نتونم بهش پاسخ بدم. اینو شما باید پاسخ بدید. ولی من تصورم اینه که اون چیزی که من از سینمای ژاپن یاد گرفتم سکوت مطلق نیست. من اگر از من سوال بکنم که مهمترین یا تاثیرگذارترین سینماگر روی تو کی بوده، میگم اون دوره که جوان بودم قطعا اوزو بوده. و شما در فیلم های اوزو هم سکوت میبینید هم دیالوگ. دیالوگ اصلا معنایی نیست که دیالوگ، فقط ما دیالوگ داریم که سکوته و در سکوتی داریم که گفتگوه. به هر حال من فکر کنم تصویر بدون گفتگو وجود نداره. گاهی مسئولیت به عهده
پرسوناژهای ماست، گاهی به عهده خود شما به عنوان تماشاگر که تفسیر کنین سکوت بین دوتا بازیگر. Ce n'est peut-être pas à moi de répondre, ou peut-être ne répondrai-je pas de façon satisfaisante pour vous à cette question. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, le dialogue n'est pas le contraire du silence, et que le silence n'a pas de valeur en soi ou ne peut pas être absolu. Le silence au cinéma est un silence relatif. Je pense que si on me demande quel a été le cinéaste qui, de ma vie, m'a le plus marqué, en me remémorant ma jeunesse, le premier nom qui me viendrait, ce serait celui d'Ozu. Et les films d'Ozu ne sont pas absolument silencieux. Il y a du dialogue, il y a du silence. Et je dirais que ce n'est pas parce qu'il y a du verbe qu'il y a du dialogue, et que ce n'est pas parce qu'il y a du silence que rien n'est dit, que rien n'est échangé. Donc c'est peut-être aussi à vous, spectateurs, de reconstituer le dialogue qui peut s'instaurer entre deux personnages apparemment en silence, ou la communication qui peut ne pas se faire malgré des mots qui sont échangés. Ici, là-bas, madame. Il y a plus de personnes. Non, là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes perdu? شما دیدیم بیشتر راجع به دنیای بچه‌ها بود و این مسئله‌ای که بچه‌ها با بزرگا نمیتونن صحبت کنن و بزرگا بچه‌ها رو نمیفهمن، ولی هرچی بیشتر میگذره شما دنیای بچه‌ها رو بیشتر رها میکنین و به دنیای آدم بزرگا میچسبین. آیا این معنیش اینه که دیگه به دنیای بچه‌ها بر نخواهیم گشت، یا اینکه در ایران صحبت کردن از دنیای آدم هاست بزرگا سخته و مجبورین برای اینکه سانسور رو ازش فرار کنین فقط راجع به مشکلات بچه ها صحبت کنین؟ Dans les premiers films que nous avons vus de vous, vous vous intéressiez précisément aux enfants, majoritairement aux enfants, et à l'impossibilité de dire pour les enfants et à la difficulté qu'avaient les adultes à les écouter. Et au fur et à mesure que vous avancez, que vos films évoluent, vous vous désintéressez des enfants pour plutôt traiter des adultes. Est-ce que vous ne retournerez pas vers les enfants? Est-ce que c'est un changement voulu dans l'évolution de votre carrière? Ou alors est-ce que c'est parce que, à l'époque de vos films iraniens, la situation en Iran et la censure ne permettaient pas de traiter de façon directe de la condition des adultes et que vous aviez recours aux enfants de façon métaphorique ou détournée? من قبل از سال شما و بگم حتما چون تماشاگر اونم دادیم، من به این سوال جواب دادم، گفتم تنها دلیل رفتن من از ایران و کار کردن بیرون تنها دشواری کار در ایران نیست، دلایل دیگه ای داریم. منم تنها آدم نیستم، یه آدمی مثل وودی آلن هم دیگه از امریکا با همه آزادی های به نسبه که راجبش میشناسیم میاد در کشورهای دیگه کار میکنه. این دلایل دیگه ای داره، انگیزه های دیگه داره، و برای همش هم من توضیح داده بودم. Avant que vous me posiez cette question, je me doutais que ce genre de question se présenterait ou qu'il y aurait peut-être des spectateurs iraniens qui porteraient ce regard-là sur le film. Et j'ai moi-même pris les devants en vous disant que la seule raison pour laquelle j'ai quitté l'Iran et que j'ai changé peut-être de façon de travailler, ce n'était pas la censure. Il y a aussi d'autres raisons. Il y a la difficulté de travailler en Iran, mais il y a bien d'autres raisons que j'ai essayé d'expliquer assez amplement. Et je pourrais peut-être aussi vous citer l'exemple de Woody Allen, qui est aux États-Unis, donc qui a priori n'a pas les difficultés que nous avons en Iran, et pourtant il fait des films autour du monde. Donc voilà, nous pouvons être mus par d'autres raisons que celles auxquelles vous pensez. Je dirais que je vais vous dire que je suis pas sûr que je vais vous dire 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 que je حالا که خودم بزرگ شدم میفهمم که محدود به بزرگترها و بچه ها نیست، محدود به بزرگا و بزرگام هست. نمونهش همین گفتگویی که الان ما میکنم کنیم، این از یک عدم تفاهم میاد. من که من توضیح قبلا داده بودم.
Et puis peut-être que je peux compléter ma réponse en vous disant que pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé pour l'Institut du développement des jeunes. Donc je me suis intéressée aux jeunes, aux enfants, et puis j'ai grandi moi-même et je me suis rendu compte que ce qui était au cœur de mes films, qui était la difficulté de communication et les malentendus, n'était pas réservé aux difficultés qu'il y a entre les enfants et les adultes, qu'entre adultes aussi on avait parfois du mal à se comprendre. La preuve, là, vous et moi ne nous comprenons pas, parce que je viens de vous expliquer que je n'ai pas quitté l'Iran pour ces raisons-là, et vous me posez la même question, donc ça mérite encore d'être creusé. Il y a une question ici, devant monsieur, vous aviez... Monsieur, si vous pouvez relever la main juste pour qu'on vous tende le micro. Voilà, là, levez la main, voilà, merci, c'est gentil. Salam alaikum, khidmat ustad Kiarostami. سوالم این هستش که در واقع شما ویژگی خاصی رو در جامعه ژاپن دیدید که این فیلم رو اونجا ساختید یا فقط به خاطر انگیزه خودتون بوده و دلیل خاصی نداشت. Est-ce qu'il y avait une spécificité dans la culture ou la société japonaise qui vous a incité à aller faire ce film dans ce pays-là ou est-ce que vous aviez un intérêt personnel sans autre motivation ou objectif? هر دو تاش. اول گفتم که ایده فیلم در ژاپن شکل گرفت با تماشای با دیدن اون خانم کم سن سال با لباس عروس تو وسط یه شهر شلوغ پر از بیزنسمن ایده اصلیش مال اون بود اما اینو بگین تا Comme je l'ai dit, il y a les deux aspects. D'une part, il y a le déclic premier qui a été le fait de voir cette jeune fille dans ce quartier d'affaires. اما تنها دلیل نبود اتفاقا آقای کارمیز که الان اینجاست و اینجای بخصوص و من پیشنهاد کرد که جای خیلی خوبی رو در سوئیس میشناسه در همین جا و اگر بخوایم ما فیلم رو میتونیم اینجا هم کار بکنیم به دلیل شرایط راحتتر و نزدیکتر Mais ce n'est pas le seul aspect, je peux le dire particulièrement ce soir en présence de mon producteur Marin Karmitz. Lorsque je lui ai soumis l'idée de ce film, à un moment il m'a dit pourquoi est-ce qu'on ne le réaliserait pas en Suisse, puisque les choses seraient plus simples et nous aurions la possibilité d'avoir une plus grande amplitude qu'au Japon. Yaman idée fixe Japon boudam va un personnage ya vraiment حق با من بود که این فیلم رو غیر از ژاپن جای دیگه نمیشد بشناسی و بسازی دیدن یک این پیرمردی که شما دیدین رو من جای دیگه ای حتی در ایران غیر از ژاپن ندیدم یعنی این شخصیت رو اونجا بیشتر باورپذیر بود تا در یک کشور دیگه Alors je ne sais pas, ou bien c'était moi qui avais une sorte d'idée fixe et qui voulais absolument faire ce film au Japon et donc j'ai conçu mes personnages de façon à ce qu'ils rentrent dans ce moule qui m'était propre. Ou alors vraiment, authentiquement, ces personnages sont foncièrement japonais, mais pour moi, le vieil homme que vous voyez à l'écran, je ne l'ai vu nulle part ailleurs qu'au Japon, même pas en Iran. Pour moi, ils sont par essence japonais, donc je ne pouvais pas faire ce film ailleurs. جوامع دیگه است بنابراین من به نظرم من رابطه این مرد با دختر جوانی که تو رخت خوابش خوابیده اونجا پذیرفتنی تره که اون میره شب رو روی یه کاناپه دراز میکشه تا جای دیگه شاید اشتباه بکنم ولی هنوزم روی نقیدم هست Il me semble, de ce que moi j'ai perçu du Japon, que les relations là-bas ont gardé une intégrité, une sorte de pudeur, peut-être plus qu'ailleurs dans d'autres sociétés. Donc cette histoire qui m'est venue de cette jeune fille qui dort dans le lit de cet homme alors que lui passe la nuit sur son canapé est plus plausible pour moi, plus crédible au Japon qu'ailleurs, mais peut-être me trompe-je. برای اینکه به جواب من قانع بشین من هیچ پاسخی واقعا نمیتونم بدم جز اینکه در ژاپن زندگی کنین و مدت زیادتری مراوده داشته باشین تا تفاوت این ملت رو با جای دیگه بفهمید برای مثال فقط یه موردی بهتون میگم فیلم تموم شد بازیگر مرد بهش گفتم که من هنوز راضی نشدم از کار کردن با تو و دلم میخواد یه فیلم بعدی رو باهات بسازم یه تشکر کرد و برام پیغام داد خیلی ممنون اما من دلم میخواد که همون سر شغل سابقم باشم و نقش سیالشکر رو بازی کنم و برم توی سایه شما کجای دنیا میتونید یه همچون کاراکتری رو پیدا بکنید که بعضی که بهش نقش اول رو پیشنهاد کردین بگه من دلم میخواد که در سایه باشم و جلو نمیام این عین فرهنگ بوداست که میگه خردمند هرگز نمیدرخشد
Je ne peux rien vous dire de plus convaincant que de vous inviter à mieux connaître le Japon, à aller y vivre suffisamment longtemps et à fréquenter suffisamment, de façon suffisamment approfondie, ce peuple et cette culture pour peut-être ressentir ce que moi il m'a semblé ressentir. Peut-être je peux simplement vous raconter une anecdote, quelque chose qui s'est passé pour vous donner une idée de la spécificité dont je parle. C'est qu'une fois que le film s'est terminé, j'ai dit à cet acteur principal, à ce monsieur, que je n'étais pas encore arrivée à satiété dans mon travail avec lui, qu'il me semblait qu'on avait encore quelque chose à faire ensemble, donc j'écrirais un autre scénario pour lui, que je retournerais travailler au Japon juste pour l'avoir lui. Et lui, quand il a reçu ce message, il m'a remercié et il a dit je suis très touchée, mais je ne souhaite pas faire un autre film, je souhaite redevenir figurant. Donc je ne sais pas dans quelle culture du monde, dans quel pays aujourd'hui, vous trouverez un homme à qui on a proposé la lumière, qui est venu dans la lumière et qui choisit de retourner dans l'ombre. Pour moi, c'est la définition même de Bouddha. Il paraît que Bouddha a dit que le sage ne brille pas, il préfère l'ombre à la lumière. Abaskar Ostami, merci. Merci beaucoup. Merci énormément de venir. And I want to thank you very much for coming. Merci beaucoup d'être là. C'est un honneur. Et à la prochaine.